En maillot bleu 2, arrière gauche marche numéro 3, le Racing joue en maillot bleu, rayé blanc, culotte blanche. Je vous l'ai dit en commençant, je crois, ce commentaire. La première mi-temps va s'achever dans quelques instants. Les Brésiliens mènent par 1-0. Ce n'est pas l'avalanche que l'on pouvait redouter pour les Parisiens. Dorval, Coutinho, le numéro 9, qui avait là-bas et qui a passé à Pelé. Pepe, T, le voici. Regardez-le bien, c'est le meilleur attaquant brésilien. D'ailleurs, vous le connaissiez déjà depuis la Coupe du Monde de Stockholm en 1958. Pelé est le footballeur, c'est lui-même qui va tirer ce coup. Vous avez vu cet air nonchalant. Dorval Pelé, c'est encore Dorval qui a la balle. Je vous rappelle le score, 1-0 en faveur de Santos. Jean par un Brésilien. Pelé. En avant pour Dorval. Dorval qui, malgré son nom de héros de roman populaire français, vous le voyez, est un bon Brésil, soit tout à l'heure. Est-ce que Pelé, oh là 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 là, vous avez vu ce par Marcel, Mangalvia, Coutinho, vous allez être décoché Pelé. Pelé qui a talonné pour Pepe, là c'est Pelé, pardon. Pour qui? Pour Pelé. Pelé, déviation sur, oui, parfois dans la balle, à nouveau la balle à Pelé. Pelé qui n'a pas été extraordinaire jusqu'ici, il a été bien meilleur mardi, mais il n'a pas d'ouverture. Est-ce qu'ils vont la trouver au centre ou par les ailes? Mangalvio prise avec Herba, n'a pas le cela ne veut pas dire que les Brésiliens ne vont pas se ressaisir. Pelé à la balle. Est-ce que nous allons voir du grand Pelé? Est-ce que nous allons voir ces acrobaties dont il est coutumier? Oui, oui. Le Racing, le numéro 4, Tibari, qui joue au poste d'ailier gauche, de mi-droit. Joue en réalité troisième arrière et c'est nécessaire étant donné la virtuosité des attaquants brésiliens. Ici Pelé, Coutinho, Pelé, et voilà. Combinaison des mouvements et obéir ses décisions par les joueurs. Nouvelle attaque des Brésiliens par Pelé qui maintenant Hercio paraît avoir retrouvé son coup de pied. Jonglerie de Pelé. Parisien s'obstine à voir débordé par Grillet, peut-être qu'en essayant de jouer sur Pelé. Attention au tir de Pelé. Pelé pour Pepe. Et voilà. C'est le troisième but. C'est le jeu. Mangalvio était là. Pelé. Tête de Pelé. Au-dessus. Avec Ujlaki qui est. Oui, et oui, Ujlaki, ce n'est pas bien sûr une faute bien grave, mais on ne conserve pas ainsi la balle entre ses jambes. Pelé tout seul avec Marche. Pelé qui a résisté au choc de Marche. Sur la tête de Pelé, taillant. Et que certains de ses joueurs sont fatigués. Attention aux Brésiliens. Pelé. Attention à Pelé, il est extrêmement dangereux. Et vous voyez ses passes merveilleuses. Et voilà. Trajectoire de Pepe qui n'a eu aucune peine. Et Pelé, pas toujours très bien compris de ses partenaires, c'est peut-être là la lacune du Racing. Pelé à la balle, attention à Pelé. Zé Carlos, Pelé qui descend tout seul. Regardez cette ouverture, c'était vraiment où les Parisiens. Marcel, attention à Pelé. Pelé, Coutinho, vous avez vu Coutinho. Pelé. Est-ce que Pelé va réussir à passer le long, vous avez... Bravo Taillandier. Qu'il faut vraiment être sûr de trouver un partenaire démarqué avant de se débarrasser de la balle. Pelé, Dorval, Coutinho. Pelé à nouveau, Pepe. Tire de Pepe. Et les Brésiliens mènent par 3 buts car ça n'est peut-être pas tout à fait terminé du côté des Brésiliens. Peut-être à la limite. Vous avez vu cette acrobatie de Pelé récemment sur vos écrans des artistes du basket. Senna s'est empêtré dans cette balle et dans les jambes des Brésiliens et c'est Pelé
qui repart, qui va peut-être faire une de ses ouvertures étonnantes dont il a le secret, nous allons bien voir. Pour Dorval, la passe était bien ajustée, comme toujours avec Pelé. Malchance et maladresse font que le Racing ne parvient pas à marquer ce second but dont il a tant envie depuis le début de cette deuxième mi-temps. Coutinho, Pelé. Pelé pour qui ? C'est la favorite du tournoi qui va le remporter certainement. Oulam. Marche Marcel aux prises avec Pelé et Dorval. C'est Pelé qui sort vainqueur de cette confrérie et adversaire qui veut s'approcher. Pelé, Pelé Coutinho. Et voilà. Balle pour, comme on dit dans le jargon du football.